ça peut bien être. Je vais aller voir ça de ce pas. Vous êtes le livreur ? Exactement. Yes, c'est pour toi. Yes. Je peux rentrer chez toi ? Tout à fait. Yes. Avec un gestion ou pas ? Un gestion, bien sûr. J'ai une équipe technique avec moi. Bonjour. Aucun problème. Vous êtes pas youtubeur ? Si. Si, si, si. Eh ben, on fait une interview du coup ? Ouais. J'ai que ça à foutre, moi. Si, si, moi aussi. Ah ! Je veux dire McWalter, le dernier de Divic, parce que je l'avais vu en avant-première sans les effets, j'avais beaucoup ri. Et pour moi, la Master Van, c'est la boue sur la serviette qui roule comme ça sur devant Tyrell, ça fait plaisir. Écoute-moi bien, Spider-Man 2. On va commencer tout petit pour voir comment tu te débrouilles. 250 kilos de chibre. Une vidéo de moi avec Tyrell, avec Vincent Tyrell. Je vous aide avec lui des commentaires du UFC sur le jeu UFC. On a refait les commentaires, c'est hilarant! Waouh! Troisième, c'est celle que je n'ai pas encore sortie, mais qui va sortir bientôt, vu que je suis en préparation d'une vidéo. Et du coup, elle sera champ max. Je peux t'en donner qu'une ? C'est celle-ci. Vas-y, enchaîne. Plus j'aime bien, ça sonne bien de ouf. C'est percussif de ouf. Bounce en anglais, par contre. Parce que on mélange un peu les styles. Bounce. Et dans une langue des signes, c'est celui-là que j'aime bien. La mienne, en vrai, c'est un peu scandaleux ce qui se passe, on va pas se mentir. Bah, il y a Astrid avec Vincent Tyrell. Je vais dire une meuf, mais je sais pas qui. Une meuf. Bah, déjà, au moins, tu te feras pas appeler youtubeur. Voilà, dans la rue ou partout. Genre, hey, t'es youtubeur ? Oui, yes, oui, allez, je suis ça. T'es pas forcément obligé de forcément rentrer dans le YouTube game, à savoir voir les tendances qui se font. Tu peux t'éviter ça, parce que c'est pas toujours. Polémique. Si ça marche pas tes vidéos, tu ne vas pas gagner d'argent. Si tu fais un peu comme moi, c'est-à-dire en faire de temps en temps, tu vas gagner 200 balles, voire 150 balles par mois. Faut c'est sympa, mais après tu dois le déclarer, au final je gagne pas grand-chose avec YouTube. Ça déjà, ça c'est sûr et certain, en plus ils m'ont compris. Les gars, big up à vous. Enfin, j'ai mangé du houmous tout à l'heure, et je me dis peut-être que je leur ferai goûter du houmous. Troisième truc, c'est peut-être les faire nager dans la piscine, parce que peut-être que c'est ça qui les tue. Giroud. Ma guitare. Un piano à queue qui serait déjà directement sur place parce que j'ai pas envie de me le trimballer. Ça me casse les couilles. Et mon ordi. Despacito. La gasolina aussi. Nabanabanatolina. S'il suffisait d'aimer de Saint-Jean. Ça peut m'arriver de même si je suis en couple, de voir des culs et de faire... Bah c'est très beau, ça. Pareil, de la même chose, je suis végétarien, mais pareil, quand je sens de la bouffe, de la grosse viande, je fais... Mais c'est très bon, ça. Hier, je me suis sur un porno lesbien, voilà. Essayer de m'absorber. Il y en a qu'un, il n'y a plus besoin de ça. V, just life, you know. Be yourself, audio slave. Une piste qui score même. Prot, confiance, maturité. Sortir des morceaux de musique de moi qui me plaisent au max et les montrer à tantôt. Baiser le plus possible, que tout le monde soit heureux. Ce sera de te confier le mot de la fin. Ça sera le comble de la ringardise. Le deuxième, c'est d'être très insolent comme je le suis. Peut-être entre l'insolence et la ringardise, il n'y a qu'un pas. Yo, c'était Kemar. J'espère que vous avez passé une bonne émission. Moi, j'ai pris du plaisir de ouf. J'espère que vous allez en prendre aussi. C'est donnant-donnant. Tous ceux qui suivent Topito, continuez, n'hésitez pas. Je vous dis à très bientôt, en faux ou dans le vrai. Abonnez-vous. Ok Kemar, c'était un plaisir de t'avoir, j'ai kiffé au maximum. Si tu veux expliquer à nos loulous où ils peuvent te retrouver, ce sera avec plaisir. Salut les loulous, alors petite promo parce qu'on est là pour ça aussi. Le 27 juin sort un film dans lequel je joue qui s'appelle Les Affamés. Bam, au ciné le Kemar. Il y a Louane en premier rôle et Bruno Sanchez. Le film est très très sympathique, très humain. Si vous êtes un être humain, vous allez être touché. Moi j'ai été touché, j'ai lâché une larme. En tout cas les humains sont nombreux à nous regarder. J'adore cette phrase. Bravo.